18 ans, j'étais déjà vedette, sans avoir fait aucun effort pour ça. À 35 ans, les records de recettes continuaient d'être battus par moi. Je n'avais rien à souhaiter en somme, pourtant j'étais rongée par un désir. N'être qu'une débutante sans le moindre avenir, j'ai tout tenté pour le redevenir. Je me voyais déjà en bas de l'affiche, chantant la première devant un public qui n'écoutait pas. Je me voyais déjà avec un pianiste que mon tour de chant manifestement n'intéressait pas. Je guettais en vain, rentrant en coulisses, le moindre regard de l'un des artistes passant après moi. Je me voyais déjà, c'est là que j'insiste, offrant des photos à des spectateurs qui n'en voulaient pas. J'ai tout essayé vraiment pour rentrer dans l'ombre. J'ai pris le métro, j'ai fait des ménages, acheté à crédit. Si les contrats pleuvent toujours et en très grand nombre, ce n'est pas ma faute mais celle des journaux, des impressaris. Ça m'aurait tant plu de faire antichambre, laisser mon adresse et sans qu'on m'écrive d'attendre patiemment. Et puis tous les soirs, pour pouvoir attendre, je me voyais déjà gardant des bébés comme les étudiants. J'assortis mes voitures à mes savates et je les jette dès qu'elles sont rodées. Ça n'est vraiment pas pour faire de l'épate, mais pour éviter d'être démodée. Auprès de mon château le plus modeste, celui de Versailles ressemble à un taudis. Les hommes les plus beaux veulent devenir mon mari en ignorant le rêve que je poursuis. Je me voyais déjà partir en tournée, portant les valises, réglant les lumières, tirant les rideaux. Je me voyais déjà après la soirée, balayant la salle avec les serveurs dans les casinos. Par économie, au bord de la route, je faisais du camping, mangeant des sandwichs, roulant en Solex. Et pour les étapes, paraissant moins courtes, je me voyais déjà faisant de l'autostop sans aucun complexe. J'ai même essayé, je vous jure, pour que ma gloire cesse, de dire des âneries dans toute la presse d'un ton véhément. Mais par entêtement sans doute, plus que par tendresse, on crie au génie et quand je dis merde, c'est du Monterland. Je n'ai plus maintenant qu'une seule espérance, c'est d'être trop vieille pour envisager un recommencement. Ou que le public, un jour de voyance, réalise enfin au bout de 20 ans que je n'ai pas de talent.